Tout le monde, c'est The Unit Team. Aujourd'hui, on se voit pour le 11e tuto. Voilà, on se voit après notre série Minecraft. Aujourd'hui, un tuto spécial, désolé. Comment créer une map Minecraft? Alors, c'est très très simple pour certains, mais il y en a qui ça va pas être très facile. Donc, ce que vous allez faire, je vais vous montrer. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, ce que vous allez faire, vous allez envoyer Google et vous allez marquer Minecraft. Non, c'est quoi? World Painter. Désolé. World Painter. Ensuite, vous allez aller sur Minecraft.fr. Ici. Donc, check, je mets le lien dans la description. Et si vous copiez, voilà. Donc, ici, comme il vous le présente là, c'est sur Windows. Mais Mac, ça existe aussi, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, prise en main, vous pouvez créer votre propre map. Alors, topic de l'auteur. Donc, ce que vous allez faire, vous allez tout en bas, lien, ici, à la fin, lien, comme vous le voyez là. Site et téléchargement de WorldPainter, vous appuyez là-dessus. Ici, donc WorldPainter, vous avez pour Windows, Linux, Mac, et voilà. Donc, pour les autres qui sont sur PC, suffit de voir là-dessus. Hein. Donc, moi, je suis Mac. Ensuite, il va vous télécharger. Tchac, WorldPainter DMG. Bon, ça, j'ai déjà. Allez. Voilà. Ensuite, vous aurez ça. Un truc comme ça. Vous allez l'ouvrir. Appuyez clic, double-clic. Et là, vous avez WorldPaint Installer. Vous appuyez là-dessus. Ouvrir. Quittez ça. Plus besoin. Tchac. Ensuite, il va vous mettre Next. Donc, voilà. Vous mettez Yes, Update, Selection. Next. Next. Next, et voilà, check. Donc voilà, vous avez WorldPainter. Alors, WorldPainter, c'est un logiciel qui vous permet de créer votre propre map Minecraft, comme vous le voyez ici. Donc, vous pouvez avoir donc, des trucs, vous pouvez, donc voilà, vous pouvez, plein de choses, quoi. Alors, vous pouvez avoir des pyramides, voilà, vous pouvez mettre des pyramides. Plusieurs sortes de trucs là, comme vous le voyez là, vous pouvez créer plein de maps, donc des maps super sympas, moi je trouve. Donc moi j'ai pas sauvegardé, mais je vais vous en montrer une que j'ai créée moi, qui sera la future série sur Minecraft avec mon Quentin. Avec The Darkcraft, excusez-moi hein, pour cette. Je sais pas si c'est la vraie bonne. Non, désolé, c'est pas la bonne, désolé. C'est celle-là. Voilà, je vais vous la montrer. Donc, elle est là. J'ai créé un. Ça sera Desert Island. En gros, j'ai créé une map avec un désert, avec plein de pyramides. Je vais en rajouter quelques-unes, désolé. Mettre une là aussi. Là. Jack, encore une autre. Désolé. Quelques modifications. Voilà. Ouais. Donc voilà, en gros, après, vous avez celui-là. Donc, il suffit après, si vous voulez le mettre dans votre Minecraft, il suffit d'aller sur votre truc. Donc, dans WorldPainter, je vais vous montrer, hein, bien sûr, votre map est là, mais il ne faut pas croire qu'elle va être tout de suite sur Minecraft. Je vais vous montrer comment l'exporter. Par exemple, celle-là. Donc, désolé, j'ai pris là de nouveau la mauvaise, désolé. Celle-là. Voilà, désolé. Désolé, je me suis trompée de map encore une fois. Voilà. Alors ici, il suffit en haut, vous avez upload, sauvegarder, et là, check export. Donc vous avez, voilà, il va l'exporter dans les saves, donc ne changez pas ça. Vous pouvez changer le nom. Mettre désert. Voilà. Vous mettez le truc que vous voulez, stone, vous laissez, caverne, vous pouvez après les ressources, donc de l'or,
Du diamant, de l'émeraude, du lapis, voilà. En gros, moi, par exemple, je suis un gros geeker de merde. Alors voilà, check. Allez, voilà. Ensuite, vous mettez export. Donc là, il faut attendre un petit moment pour qu'il exporte sur Minecraft. Donc voilà. Il faut attendre un petit moment, c'est pas grave. Hein. On va enlever, cancel, hein, pas besoin. Voilà, pas besoin de l'exporter. Voilà. Ben, il n'y a plus qu'à regarder. Et j'ai mis sur mon serveur. Après, on se voit pour le 12e tuto. Comment avoir un serveur, je vais vous le faire dans le prochain tuto. Donc voilà, c'était notre 11e tuto. Comment créer une map. Donc, juste avant de se quitter, je vais vous montrer ce que ça fait. La map là que. Pas la désert, mais l'autre là que vous avez vu qui était. Que je me suis gouré, ben ça m'a donné ça. Donc, attendez. Ah ça, et que j'ai fait le désert. Alors elle est là, Ini Shooter. Je l'ai allumé mon serve. Voilà. C'est moi qui l'a créé. Alors voilà. Ben voilà ma map. Ce sera la future série qu'on va faire. Donc, wow, putain, déjà des petits zombies de merde. Ce sera un désert island, vachement plus dur que notre. Comment vous dire notre. Salut, bah, de toute façon, je peux pas crever, je suis pas survivre. Peut-être qu'on va faire notre troisième épisode ce soir de la série de Minecraft. Et ça sera la désert island qu'on va faire. C'est notre future série Minecraft que vous allez voir. Donc vous la voyez en avant-première, la map qui sera la prochaine série de Minecraft. Donc voilà, la prochaine série Minecraft. Donc ça sera des pyramides, il faudra chercher des. Il faudra construire des maisons aussi. Voilà, des pyramides, là aussi il y en a une. Donc en gros, ça va être de survivre sur cette map. Ça va être un peu plus dur, on construira des maisons aussi pour les piller, vous verrez. Ça sera de nouveau l'ami à Quentin. Voilà, donc sur ce moment, je vous laisse. On se voit pour le 12e tuto dans pas très longtemps. Je vous dis à la prochaine, les geekers. Bye bye à toutes.